Alors, moi, je me trouve à Lyon. Donc, voilà. Et je profite du salon tout en étant dans un autre endroit. Je suis à deux endroits en même temps. Donc, c'est un robot de téléprésence. Donc, la téléprésence, l'objectif, c'est tout simplement de donner un peu le don d'ubiquité aux gens. Donc, c'est-à-dire, vous pourriez vous trouver à Paris et avoir un robot de l'autre côté du monde. Vous allez pouvoir vous connecter depuis chez vous à un autre endroit et aller le visiter. Voilà, on peut dire c'est une sorte de Skype, sauf que là, vous avez le contrôle de la caméra, vous allez pouvoir aller là, exactement là où vous voulez. En fait, je peux me balader vraiment super facilement, donc dans tout le salon. C'est super simple. Ensuite, je peux m'arrêter auprès des différents exposants, leur demander des renseignements. Et ils m'expliquent comme il était, quoi. Donc, je m'attendais pas vraiment à ça, en fait, en termes d'expérience, et je suis agréablement surprise. Alors là, vous avez le robot, donc le BIM. C'est un grand écran qui va vous permettre de voir la personne qui est derrière l'écran, donc qui sera connectée à distance. Et cette personne pourra vous voir par l'intermédiaire de cette caméra ici et vous entendre grâce à tous les micros qui sont embarqués là-dessous. Et vous pourrez entendre sa voix et parler avec elle via ses haut-parleurs. Après, le robot, donc, il se déplace grâce à deux roues. Alors, c'est un produit qui est assez récent, qui a été créé, je pense, dans l'année précédente, ou dans les deux années précédentes, pas plus que ça. Aujourd'hui, il est déjà distribué aux États-Unis, par contre, et il est déjà vendu surtout au niveau des médecins, par exemple, si ça leur permet de faire de la télémédecine. En France, c'est le tout début, et donc on espère que ça va bien marcher. Un BIM à l'unité, aujourd'hui, c'est aux alentours de 15 000 euros. Si on achète le robot comme ça, après, par exemple, si on veut visiter un salon, là, l'objectif, ça va être de le louer. Par exemple, pour 2 heures, c'est aux alentours de 30 à 40 euros.